Par contre, t'as remarqué que l'avion, il a changé de couleur. Oui. T'as vu un peu ? Il a la belle couleur. C'est bien, c'est bien. T'as vu, hein ? T'as vu, Dominique ? Je t'avais dit que t'allais avoir une surprise. Ouais, j'osais rien dire, mais bon, voilà, quoi. Enfin, quand même, hein. Ouais. Il est long à la détente, le jeune, hein. Il a fini par y arriver, hein. Donc, ce sera un vol d'où, déjà ? On se souvient plus. On part de Lémureaux et on va à Abbeville, en passant par Rouen, Le Havre. On remontera le long de la côte, en passant au-dessus de Fécamp. Et on arrivera dans la baie de Somme. Et ensuite, un direct au sud vers Abbeville. Eh ben, on embarque. Okay. Altitude préconisée, combien ? 3500 ? Comme d'hab, non, 3000. Enfin, moi, c'est ce que j'ai marqué. Alors, calibrez bien vos compas, calibrez bien votre altimètre. Tu pars quand tu veux et je te suis. Enfin, j'essaye. Décollage. Bon, alors Lémureaux est là-bas, je te vois pas, Olivier. Je suis un peu derrière, mais j'arrive, je vais vous rattraper. Moi, je suis loin derrière. Ah bon, t'es dans les choux. Je suis en train de vous chercher là. Je vous cherche. Après que je récupère ma radiale, hein. Oh, c'est joli là. Oh là, 3300, bon on va peut-être se calmer là. Oui, parce que là oui j'arrive à 2500 pieds et je pense que j'arrive quasiment au plafond. Non, moi je suis 3300 et je dois être juste à la limite. Enfin bon sur mon. C'est pas la météo réelle hein, comme je disais. Ouais. Donc Ouais. Bah, je vais descendre un petit peu à 2005 hein, pour être sûr d'être en dessous des nuages. Bon, vertical chez Rance. Ah, bah tiens, j'ai installé le pack 2 là, de France VFR. Ouais. Pour les aérodromes. C'est sympa, bah, évidemment. Bon. C'est vrai, c'est tout ce qui est aérodrome de la région parisienne, quoi. C'est ça, voilà. La partie premier c'était ouest et sud, et là c'est est. Alors, oui, je te vois. 105. Sur ma droite. Ouais, effectivement, je te vois aussi. Je n'ai pas qu'hier, je vous vois tous. Oh, oui, voilà, ils ont aussi pris le train hier, voilà. Son dernier je lève la tête, oh, comme moi, Olivier Pascal, oh. Voilà, non, mais voilà, monsieur le traquier, un écran supplémentaire. Bah là, je suis descendu à 1900 pieds, alors on va peut-être pas exagérer non plus. Ah, non, 2004, c'était bien. Ouais. Bon, moi, je suis en gros au droit du méandre. Là, oui, rebrousse ce chemin. On y arrive. Ah! Quelqu'un qui est à ma gauche là, c'est Olivier ? Il y a de grandes chances. Non. Non, c'est Dominique ? C'est moi. Ah bah ouais. J'ai pas les étiquettes alors, je sais pas. Alors, non, moi non plus. Vous deux, moi. Ah, tu t'es un peu. Eh, c'est génial ! Je vous vois, c'est la première fois que je vous vois comme ça aussi facilement, ouais. Nous ne sommes pas seuls là. Ouais, hein. 2400. Et je suis sur le plan de vol. Enfin, je suis sur le trait qui représente le plan de vol. Ouais, il y en a un qui se décale, on dirait. Ah ouais, c'est Dominique, là. Ah, il fait son original, là. Je sais pas ce qu'il cherche à faire, mais... on va le savoir dans pas longtemps, je crois. À 2400 pieds, hein. Ah ouais, t'es comme moi, là. T'es un petit peu en dessous de moi, donc ouais, je suis à 2005. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas, je fais une capture avant qu'il se crache. Eh, n'empêche, c'est génial de voir ça en volant réseau comme ça. Ah bah oui, c'est sympa. Donc là, ouais, tu remontes un peu vers nous, là, Pascal. Ouais. Et on arrive au point suivant. Oui. Ah bah là, il y a un aérodrome, là, non ? Ah bah c'est, oui, c'est Rouen. LFOP. Voilà. Franqueville-Saint-Pierre. Rouen, ouais. Bah, on est dans la banlieue de Rouen, là. Ouais, voilà. Rouen, vallée de Seine.
Bon, je te cherche. Tu devrais être sur ma gauche. Ah oui, si, je te vois là. C'est ça. J'étais 7h. Ouais. Ouais, l'avantage de plonger par rapport à FSCloud, c'est que du coup, le rafraîchissement est beaucoup plus rapide. D'accord. Ouais. Bon, bah, je vous vois plus, hein. T'es derrière nous. T'es derrière nous. Il va falloir que tu penses à récupérer un cap. Non, à la rigueur, accélère un peu pour nous rattraper. Parce que là, t'as 2-3 nautiques dans la vue. Ouais, 2 nautiques. 2 nautiques, il est. Ouais, d'accord. Ok, 130 nœuds. Même 140, hein, parce que 10 nœuds, tu vas mettre du temps pour nous rattraper. Hein. 2500 pieds. Et je reprends le cap 290. Je suis dans le cap a priori là. Ouais, mais décalé sur la droite. Un petit peu, ouais. Bon, alors je vais tirer un peu à gauche. Ouais. Tiens, je vais amener le papier par ici. Voilà. Attends, je vais voir si Pascal il se rapproche encore. Je vais essayer de faire une photo de nous trois. Ok, je suis à 120 nœuds. Bah, je vais essayer de passer entre vous deux, tiens. On arrive sur Trickville. Là, je vais te faire confiance parce que je navigue pour rester à vos côtés. Voilà, 120 nœuds. Photo. Par contre, dès que tu perds de la vitesse, tu sens... Hop, il y a Dominique, là, il est en train de me larguer, là. Ah non, non, je te vois te rapprocher, Dominique, il est... Il bouge pas, là, ça va. D'accord, donc ça c'est un truc qu'on peut faire parce qu'on est en multiplayer là, en FS Cloud vous n'en aurez pas réussi. Bah FS Cloud c'est plus compliqué parce que il est pas optimisé pour ça. D'accord. FS Cloud c'est plus il est plus optimisé liner on va dire dans le type de suivi, de rafraîchissement. Compte tenu de la latence du VFR comme on fait la groupée, c'est quasiment impossible à faire. Bon, Dominique était à ma droite, il a disparu. Ah non, il est là. Non, ça y est. Ben moi, toutes les scènes, c'est France Simbox. France Simbox. Ouais, j'ai vu le nom, je sais pas ce que c'est, mais. Ouais, toutes les scènes, c'est ORBX Global Base, OpenLC Europe. D'ailleurs, pourri. Non, pas si pourri que ça. Et ben moi, vous savez ce que c'est. C'est France FR. Et voilà. J'en suis. Bon. Chez moi, il y a de l'autogène, quoi. Par contre, là, je suis à 10 FPS, là, 14 FPS, je sais pas ce qui lui arrive. Ah. Je suis à 40, moi. Ouais, mais toi, ça compte pas. 18. On tourne autour de ça y est, Y. Ouais. Ouais. Ah, bah oui, effectivement. Donc, nous avons le Havre à gauche et le pont de Normandie, les gars. Alors, le Havre à gauche. À gauche, c'est l'autre gauche, voilà. Voilà, l'autre, la bonne. Celle qui va bien. Oui, et je devine le pont de Normandie, effectivement. Ah, moi, je le devine pas, je le vois nickel, là. Bah, il est haut, il y a nickel. Même des ruissellements, enfin, des scintillements de l'eau. Les ruissellements à cette distance. Ouais, là, t'as vraiment du détail, là. Ouais. Je vais essayer de pas percuter Dominique. On arrive aux Lombards. Les Lombards, belle étoile. Tu vois, j'en veux. C'est la première fois que je regarde aussi peu la carte en volant. En fait, il n'y a rien même pas du tout. Je suis la ligne sur le GPS et depuis que je suis derrière vous, je vous suis. C'est merveilleux. Oui, je suis Olivier, moi. Bon, ben Olivier, hein, t'as la responsabilité de l'équipe, là. Ah, j'ai bien compris, oui. Si je me plante, tout le monde se plante. Oui, ça. On descend, tu descends, on descend. Tu montes. Je me crache, vous crachez. Voilà. Non. Enfin une bonne réponse. Il se jette à l'eau, on se jette à l'eau. Bah là il est bien parti hein. Ouais, j'y vais. Voilà, hein. Non, je vais sur GPS, LF, je vais sur Lima Foxtrot Oscar Hotel. Donc Octeville. Ouais. Que j'ai en visuel. Moi aussi, je l'ai bien là, c'est nickel. C'est chiant, avec les tableaux de bord des avions, tu vois jamais ce qu'il y a devant toi.
Bah si, tu lèves la tête. Oh, ah, oui, mais... Excuse-moi. Bon, on va arriver à un point de virage, les gars, ça va être intéressant. Je me suis dit, à un moment donné, j'ai réfléchi à ce qu'on allait faire, tu sais. Puis je me suis dit, tiens, faire un bon virage comme ça, là, ça va faire du bien à la manœuvre. Ah, je crois que là, oui. Ouais, ça va être chaud, quoi. Ça va être serré. Je crois qu'on va sortir un peu du plan de vol. Moi, je vous suis tous les deux. Quand je vous dis top, vous commencerez votre virage, hein, parce que sinon, vous allez sortir de trop. Hein. Et on a bien l'aérodrome à gauche, là. C'est nickel. Ouais. Au top, vous virez sur la gauche. Je fais en sorte de rester derrière vous pour vous filmer, tu sais. Donc j'admire votre manœuvre, les gars. Dextérité, précision. Attention pour le top. Ouais, on arrive sur le point, là. Il y en a un qui commence à virer, là, Dominique. Dominique, je t'ai dit que je restais derrière pour vous regarder. Virage gauche. D'accord, top. En fait, c'était un top anticipé. Tu m'étonnes. On continue. On ne lâche rien. On rétablit. Moi, je suis tes ailes, là. Ah, Dominique, elle est là-bas, ouais. Prochain top, virage gauche. 13 FPS, 16, 20. C'est beau, les gars, c'est 42, beau là. 43. C'est très très beau là. 128, 130. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui descends ou c'est moi qui monte là? Attention, top, on y va. Virage gauche. Et là, je suis sûr qu'on va en rencontrer un, tu sais, qui va nous faire un virage droite. Y'a un psycho dans le groupe. Alors attends, ça y est, je l'ai vu le Dominique là, voilà, ça ouais, y est, tu oui, vois. Oui, il a triché. Hein. Ouais, bah oui, forcément. On rétablit. Ah oui, ah, t'as pris trop large maintenant. Tant pis pour toi. Oui, un peu. Mais c'est pas grave, je rattrape. Alors c'est bien, je vous vois tous les deux comme ça. Bon, alors le port du Havre en dessous là, c'est beau. J'en profite pour regarder un petit peu quand même. Oui, il y a des péniches, il y a des bateaux. Ouais. Je vois des péniches. Des tankers, ouais. Des super tankers. Ouais, des tankers, ouais. J'ai essayé de pas trop de perdre de vue, Olivier. Et okay. J'ai essayé de pas percuter, parce que j'avais perdu de la vitesse quand même. Oui, tu vois. Mince, j'étais perdu. Ah si, ça y était là. Alors attends, est-ce que c'est Olivier que je suis ou est-ce que c'est Dominique? Faut pas me suivre, moi. Ouais, non, toi tu vas. C'est Dominique que je suis en train de suivre là. Ouais. Ouais, faut pas suivre. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il va foutre vers le pont de Normandie? Alors attention, prochain top, virage gauche 90. Ah ouais, bah de toute façon, je t'ai perdu de vue, donc... T'es à quelle altitude, là? 2004. Ok, moi top. Je suis à... Je t'ai perdu, Olivier. Ah, on récupère pour un cap du 31, tu continues comme tu es. Ouais. Je te vois, moi. Tu es juste derrière moi. Ah non, c'est Dominique. Alors là, je suis au-dessus d'un petit étang avec une ville à côté. Il y a une grosse. Je sais pas ce que c'est. Il n'y a pas de nom. C'est Rouel. Sauf que t'es un peu sur la droite de, ouais. De la route. C'est ce que je vois. On est en train de couper la trajectoire de tout à l'heure là. Ouais. Le but maintenant c'est de rejoindre la côte pour passer dessus Fécamp. La bonne nouvelle c'est que ça enregistre toujours. Ah, c'est bien. Formidable. J'ai hâte de voir la vidéo. Ah ouais, eh ben, alors là tu vas pleurer quand tu vas voir la vidéo. Quoi? Ah bah, pourri, c'est ça? Ah non, moi j'appelle pas ça pourri non. Alors. Bon alors l'altimètre vitesse, je fais n'importe quoi là. Le prochain point normalement de passage, ça doit être Fécamp, je pense. Hein. Pas loin. Ou juste possible. Avant peut-être. Non, je crois que c'est juste avant et après on va un peu. Ah non, j'ai dit des conneries, on passe au. Non, Fécamp, il va être à notre gauche. C'est sur la côte. Ah, ça y est, je te vois à gauche là. Ouais. Allez hop, un petit coup de booster.
et on fait en sorte de plus de perdre. 2400. Voilà. Alors je vais être ton ombre là, Olivier. C'est pas gagné d'avance, hein. Je serais peut-être plus rapide. 120 nœuds. Ouais, 120 nœuds, 2420. Ça monte. Mais non, mais non. Alors, mais Dominique. Non. Oui, j'arrive. 120 nœuds. Bon, alors j'en profite, puisque j'étais devant moi, je vais faire un petit passage extérieur. Ouais, mais il veut monter encore. Voilà. C'est beau la Normandie. C'est toi, Olivier, qui suis sur la chaîne Twitch? Non. Ah, Dominique derrière. Donc, alors, nous avons le Havre en vue derrière nous, là. Le pont de Normandie qui est, ben voilà, au centre de l'image. Et là, je reviens, et où est-ce qu'il est passé, Olivier? Il a disparu. Ah, il y a des éoliennes en face de moi, là. Ah non, t'es en dessous de moi. Hop là, je te rattrape. Alors, des éoliennes... T'as ralenti, Olivier? Ah non, toujours 120. D'accord, ben c'est moi qui ai accéléré, alors. Donc, en fait, actuellement, ils ont... Donc, il y a toute la France en photo, droitement photo, bien sûr. Enfin, l'équivalent photo, ça existe depuis quelques années. Et ils ont refait donc des régions en ce qu'ils appellent en 3DA. Donc avec modélisation des bâtiments, etc. Bon, la dernière scène de Paris est en 3DA, bien sûr. Mais ils avaient fait Aquitaine, Nord-Sud, Bretagne Sud-Nord, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Alsace. Et la dernière, c'est Paris. Et là, on est quoi, au mois d'avril? Normalement, je crois que c'est d'ici fin avril ou peut-être début mai. Dominique, accroche-toi, ils vont sortir PACA. Eh ouais, c'est pour ça. Là, on va pouvoir, enfin là, je vais pouvoir aller voler avec vous. Ça va être encore mieux. Ouais. On fait un virage, là, les gars. On fait un virage. Ouais. On est encore au Havre sur Twitch. Et les éoliennes, elles tournent, les gars. Les éoliennes, elles tournent. C'est magnifique. Oui. Ah ouais, c'est beau. Alors, j'en ai des éoliennes, mais pas là. Enfin, j'en ai ailleurs sur le monde, mais là, ils me les affichent pas. Voilà, j'ai admiré les éoliennes tourner. J'aime bien voir tourner ces engins là. J'étais perdu du. Vous êtes derrière moi. Bon, alors ça, c'est une bonne nouvelle. Je passe, je suis pratiquement, enfin j'arrive en vertical d'un aérodrome là. Je t'ai toujours pas vu. Moi sur la carte j'ai pas d'aérodrome là, dans le secteur. Non, ça ressemble à un aérodrome de loin, mais c'est pas un aérodrome. Il y en a un devant nous. Attends, si c'est un aérodrome ça. Attends, c'est quoi ça? Je suis sur un point de. Je suis sur le point de. Mais sur un aérodrome ça c'est quoi? Ah non, moi sur la carte t'es pas à la verticale d'un aérodrome hein. Attends, il y a un truc, ça y ressemble hein. Ah, c'est peut-être un champ. Je suis pile à la verticale, donc c'est même pas la peine que j'essaye. Attends voir. Ah oui, je suis à 2000 pieds. Ouh là là, tu vois, je papote, je regarde. Putain, je sais pas si t'as vu mes photos que j'ai faites là. Au-dessus de Sens, là, sur le forum. Si, je les ai vues, ouais. C'est bah, en tout cas. Manque un peu de vous voulez des toujours photos. Les mecs. Bon, comme. Il n'y a pas 3D à planter. Non. Ah bon? Ah merde. Bah, heureusement que t'enregistrais pas alors. Vous êtes toujours sur la session? Oui. Bah ça va couper certainement. Ça va certainement couper, mais... Par contre, j'entends comme s'il pleuvait dehors, tu sais. Mm-hmm. Oui, parce qu'il pleut. Ah oui, il pleut. Et tu sais pourquoi il a planté ton P3D? Bah non. Bah en tout cas, touche à rien parce qu'on vole là, donc... Hop, ça y est, ah, non, ok. C'est fini, on vole plus. Dégoûté. Donc après on peut continuer le vol mais en solo. Voilà, bon ben je le continue, là je suis en solo, ouais. Ah, j'ai plus mon leader. Ah ben mince alors. Bon. Ouais, non, j'ai plus mon charognard. Bon ben je vais continuer parce qu'en plus de ça on n'est pas très loin de la fin donc. Bah oui. Ça serait dommage d'arrêter la vidéo là. OBS.
500 mètres. On passe au-dessus de Dieppe. Ah, pas moi non, pas encore. Ah bah si, t'étais devant moi, donc t'es forcément passé. Ok. Si à ta droite, quand tu passes au-dessus de la ville, là t'as une espèce de grande étendue d'eau, c'est Dieppe. Il y a un port, il y a une église à côté du port. Il y a une espèce de grande rade à Dieppe, là. Enfin si c'est Dieppe. Hein. Ouais, je vois un truc bétonné, mais c'est bizarre, sur la carte, je vois pas marqué Dieppe. Ah. Ben sinon, il y avait Saint-Valery-en-Caux, mais ça m'étonnerait. Parce que là, il y a vraiment un port, une rade et compagnie. C'est magnifique. Ah si, c'est Dieppe, c'est Dieppe. Si, t'as raison, c'est Dieppe. Il fallait que je zoome un peu plus pour voir le nom apparaître. Voilà, donc là, j'arrive à la hauteur de l'eau. Je suis vertical mer. Ok, ben, sur la gauche, il y a une centrale électrique. Elle est juste en bordure de mer, là. Bah c'est une centrale atomique ça. Ah non, c'est pas des tours ça. Bah à partir de maintenant faut qu'on y aille avec l'accent là, hein. Tu vas prendre un thé au café. Bah ouais hein. Hop, photo. Et s'il y a de la fumée qui sort du chapeau là, vaut mieux que je me tire à la vitesse grand V hein. Oui, c'est pas bon. Ça va pas péter. Bon du tout là. Ah, attends, mais il y a le moulin à vin. Biville sur mer. Il y a le tréport en face. Il pleut plus. Non, moi il pleut. C'est la première fois que j'ai de la pluie avec la météo programmée comme je l'ai programmée là. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est pas très dense hein, là. Enfin, là, c'est pas trop la région où j'étais, ça encore. Parce qu'on arrive à Cailleux-sur-Mer, ouais, moi j'arrive, j'étais au Crotoy, donc d'ailleurs c'est la seule plage orientée plein sud. Pour info, je suis au-dessus de la baie de Somme, là. Ouais, moi aussi. J'ai dépassé la pointe du Hourdel, où on trouve les phoques. Moi j'ai déjà bougé plus longtemps. Plus... La pointe du Hourdel, ouais, c'est là où tu peux observer des phoques... sont régulièrement sur la petite presqu'île, sur la petite île qui est au bout de la pointe. Les grandes marées, quand c'est marée basse, c'est quasiment. Tu te dis, tu pourrais franchir, tu pourrais aller en face sans problème, du Crotoy à Saint-Valery, hein. Sauf que tu vas t'enfoncer dans les vasières, quoi, mais bon. Ou alors les sables mouvants, parce qu'il y en a pas mal. Ah ouais. Faut le savoir, ça. Ah, faut le savoir, ouais. Je suis au-dessus du parc de Marcanterre. Du Mercantère, bah je l'ai passé. Mercantère, ouais. Bon, ce sont là, je vais m'aligner pour l'aérodrome. Hein. Ouais, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire là, de rattraper le cap. Et effectivement, oui, j'ai vu. Bon, alors je suis en approche de l'aérodrome là. Pareil. 1500 pieds. Ah bah moi j'ai fait une approche décalée. Ça y est, je suis aligné maintenant. Je réduis les gaz. On baisse un petit peu les volets, la puissance. Piste numéro 20. Ah oui, non, il y a aussi un autre chose. Ah non, pourtant on est en Nord-Pas-de-Calais. Non, à Beuville, on est sur la Haute-Normandie. Picardie ? On est Picardie. Ah ben oui, c'est pour ça, Picardie, je suis en photo HD sur Picardie. D'accord. Bon, bah...